Présentation des persos, maître d'épée. Infligeur de dégâts physiques à la courte portée, à la fois offensif et défensif. Née dans une famille de chevaliers, elle s'est entraînée au maniement de l'épée depuis l'enfance. Elle a, à elle seule, sauvé les vies des hommes du roi dans une embuscade et a été nommée chevalier. Enchanteresse. Mage à longue portée qui cause beaucoup de dégâts de zone. Une jeune fille douce née dans une famille de magiciens, elle a appris ses compétences auprès de son grand-père pendant son temps sur la route avec lui. Elle a parcouru le monde pour visiter les ruines magiques et pour apprendre les arts magiques secrets. Le sniper d'élite. Infligeur de dégâts physiques à longue portée, aime combattre et courir. Originaire du monde technologique, il a gravi les échelons de l'académie militaire de la jeunesse et a été diplômé premier de sa classe. Guerrier inégalé, il peut abattre les ennemis à des distances incroyables. Chasseur cruel. Doté d'attaques physiques, de mêlée et d'un style de combat basé sur les combos. À l'origine, faisant partie d'une tribu de loups du nord glacial, il a été forcé de fuir quand ils ont été asservis par l'impitoyable Dante Affuté. Vivant dans la nature, il est devenu une machine à tuer qui ne montre aucune pitié. Que choisir ? Maître d'épée, l'enchanteresse, sniper d'élite ou le chasseur cruel. Je ne sais pas quoi prendre. Peut-être l'enchanteresse. Ouais, bon. Je vais prendre l'enchanteresse. Le nom. On va peut-être l'appeler comme ça. Miss. Fairy. Créer. Alors, un compte peut uniquement avoir 3 personnages au maximum. Vous êtes en cours de création du premier. Une fois votre personnage créé, vous ne pourrez pas le supprimer. Veuillez continuer pour procéder. Ok. Universel et Dieu du jeu, Terris. Bienvenue dans mon monde de rêve qui est toujours plein de beauté. Quelqu'un a forcément ces beautés? À l'origine, j'étais censé t'envoyer à la ville principale, mais j'ai eu des problèmes et j'étais accidentellement envoyé au nid du Tesmar. Ce n'est pas un gros problème, d'abord tu dois vaincre les monstres qui habitent ici. Bien sûr, je ne te laisserai pas aller au combat si on gagne. Regarde. Wow, pas mal. C'est un peu l'équipement. Haha. Qu'est-ce que tu prends? Prêt? Commencez. Ouais.
faire glisser le joystick pour vous déplacer, ok. Appuyez sur attaque pour utiliser une attaque normale. Ah d'accord, appuyez sur esquive pour esquiver. Pour utiliser une compétence, ok. Appuyez plusieurs fois sur une compétence pour aller à son prochain tour. Appuyez pour continuer. Utilisez compétence. D'accord. Ah oui, appuyez encore sur le. Sur la compétence pour libérer le combo. Wow. Tu maîtrises ta technique de combat et je n'ai plus rien à t'apprendre. Ah, j'ai oublié de te dire une chose. Les braves guerriers de différents mondes peuvent soulever le feu de Koshima Infernal quand ils utilisent des combos. Oh, il arrive. Oh là là, c'est un boss. La santé est trop faible. Utilisez la potion PV pour restaurer le PV. Wow. Oh.